Laura est lilloise. C'est bien là? Elle vient d'avoir 23 ans et est dorénavant une adulte qui souhaite partir à l'aventure. Plus précisément, l'aventure Pékin Express. Donc Pékin Express, ce serait vraiment une façon de fêter la fin de mes études. J'ai envie de faire quelque chose d'original, de marquer le coup. J'ai passé toute ma vie à l'école, donc j'ai vraiment envie de m'évader, vraiment de changer d'ambiance pour fêter la fin de mes études d'une manière un peu... Bah original, hein. C'est sûr que ça change d'aller au bar et de boire une bière. De nature dynamique, elle est une grande amatrice de danse, de yoga ou encore de sport. Et elle est prête à relever tous les défis. Elle souhaite prouver sa motivation et montrer de quoi elle est capable auprès de ses proches. J'ai envie de montrer à ma famille que je suis devenue une adulte, que je suis quelqu'un de très mature. Et que je suis capable de plein de choses, que je peux traverser des pays dans des conditions parfois rudimentaires, faire du stop, et j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Ces motivations sont les mêmes que 80% des candidats. Mais cela n'enlève rien à la détermination de Laura. Je pense que je suis quelqu'un de calme, de posé. Je laisse pas trop transparaître mes émotions. Je suis spontanée, mais ça va. Alors souhaitez un bon courage à Laura pour dépasser ses limites. Elle compte sur votre soutien et en aura bien besoin. Plus sérieusement, Pékin Express, je regarde depuis que je suis toute petite, c'est vraiment un rêve d'enfant. J'ai loupé quasiment aucune saison, à chaque fois je m'émerveillais devant les paysages, devant les cultures, même devant les épreuves qui n'ont pas l'air si simples. Mais j'ai vraiment envie de me dépasser et j'espère rencontrer un super binôme avec qui je pourrai partager mon aventure et qui sera aussi motivé que moi. Donc je compte sur vous pour m'envoyer plein de force, plein de soutien pour que je puisse être prise pour le casting. Et j'espère pouvoir faire une super aventure grâce à vous. Merci.